un beau pays, la Suisse. C'est calme. C'est sain. Les gens ont de l'argent. C'est là-bas que je voulais ouvrir un restaurant. C'était ça mon idée. C'était pour ça la rançon. Je craignais pas que l'enfant me reconnaisse, il m'avait à peine vu. Ça datait de plus de 2 ans. Je voulais pas lui faire de mal. Je pensais que le grand-père qui est riche paierait sans problème. Je pensais pas que sa famille préviendrait la police. J'étais dans la cabine téléphonique quand j'ai entendu la voiture des gendarmes qui arrivait. J'étais pris de panique. Je me suis enfui. J'ai couru. J'ai couru sans m'arrêter. Dans la soirée, j'ai regagné la chambre où dormait le gamin. Mais vous dormez dans le lit avec lui? Non, non, pas du tout. Non, j'ai couché par terre sur un matelas. Comment était l'enfant? Il pleurait? Vous lui avez donné quelque chose pour le faire tenir tranquille? Un somnifère? Rien du tout. Non, au contraire, il était très gentil, très calme. Il regardait la télévision, il croyait que ses parents allaient venir le chercher. Le lendemain, j'ai vu au journal de 13h qui parlait de l'enlèvement. J'ai paniqué. Je me suis senti perdu. Je savais plus comment m'en sortir. Puis il y avait le gamin qui commençait à s'énerver. Et alors? Alors... J'ai perdu la tête. Alors j'ai perdu la tête. Il a eu cette phrase incroyable. Alors j'ai perdu la tête. Alors qu'il risque la sienne. Je te dis ça parce que souvent, les meurtriers ne peuvent pas raconter l'acte de mort. Oui, tu as raison. Ce n'est pas le monstre froid qu'on décrit partout. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, excusez-moi. J'habite ici. Qu'est-ce qui se passe? Maître Badinter. Oui. Une bombe a explosé. Un engin artisanal. Rien de grave. Où ça? À quel étage? Au deuxième. Pardon, excusez-moi. J'espère que votre dîner s'est bien passé. Ici, ça a été un peu mouvementé. Tu pourras remercier tes voisins. Ce sont eux qui ont éteint le début d'incendie. Et les enfants? Ils vont bien. Vous devrez seulement convaincre les garçons qu'ils ne peuvent pas descendre par la grande échelle des pompiers. Bon. Tu m'appelles un taxi? Oui, oui. Les enfants, mes chéris, allez, au lit immédiatement. Venez ici. On se calme. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Viens ici. Allez. Fais un bisou à papa. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y. Allez, viens, mon grand. Viens, mon grand. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, c'est vrai, papa, ce qu'on dit que tu aimes bien les assassins d'enfants? Je t'expliquerai, ma chérie. Hein. L'avocat, c'est fait pour défendre les accusés. Même les assassins d'enfants. Couche-toi. Hein? Mais défendre, c'est pas forcément aimer celui qu'on défend. Tu comprends? Tu vas dormir. Écoute un peu ça, c'est pour toi. Pour toi.
Henri, tu nous entends? C'est un de tes copains! Christian Ranucci a été guillotiné dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille. Nous reviendrons bien sûr sur ces deux informations après les prévisions météo de cette journée du 28 juillet avec notre amie Carola Legrand. Bonjour Carola. Bonjour, bonjour à tous. C'est une journée estivale qui s'annonce en... Il y a un journaliste qui veut vous voir, il dit que vous le connaissez. Oui, bien sûr, je vous le disais bien, c'est ça. Du Moulin de l'Est-Éclair, vous vous souvenez? Je voulais connaître votre réaction à la nouvelle. Quelle nouvelle? Ranucci a été exécuté à l'aube. Le président a refusé sa grâce. Vous n'étiez pas au courant? Ranucci? Ranucci, le pullover rouge? Je sais qui il est. Qui il était. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Seuls ses avocats ont qualité pour parler de lui. Et au sujet de la grâce refusée par le président? C'est un droit souverain. Le président n'en répond que devant sa conscience. Mais pour Patrick Henry, à votre avis, Ranucci, c'est un mauvais signe. Bonjour. Excusez-moi. Bon appétit. J'étais avec ta mère, je ne pouvais plus partir. Elle est très inquiète de ce qu'elle appelle maintenant l'attentat. Tu m'écoutes? Tu vois, pour Ranucci, il y a plus qu'un doute sur sa culpabilité. Il n'y a eu ni demande de rançon, ni calcul prémédité. Les mobiles même de l'enlèvement ne sont jamais apparus clairement. L'instruction a été menée au pas de charge, sous la pression de la foule. Les témoins se sont contredits, le tout gonflé par la presse, et ça n'a pas empêché Giscard, un libéral, amateur de Maupassant, d'envoyer à la guillotine ce garçon de 20 ans. Donc, pour Patrick Henry, il n'y aura pas de grâce à espérer du président. C'est des jurés et d'eux seuls que dépendra sa vie. Absolument. Je suis désolé de vous déranger. Je vous en prie, François. Maître Bocquillon a appelé. Le dessaisissement a été refusé par la cour de cassation. Le procès aura bien lieu à Troyes. Vous revoir si tôt. Moi non plus. Je ne pensais pas avoir si rapidement cet honneur. Mesdames et messieurs, la cour. L'audience est ouverte. Pourquoi le petit Philippe? Pourquoi lui? Je connaissais la famille de réputation. Je savais qu'ils étaient riches. Expliquez comment vous vous y êtes pris pour enlever l'enfant. Ça n'a pas été très difficile. Je l'avais suivi pendant plusieurs jours, je savais à quelle école il allait. Un matin, je suis passé le prendre, je lui ai dit « Ton père est en retard, c'est moi qui te ramène. » A-t-il fait des difficultés pour vous suivre? Au contraire, ça l'amusait. Il m'a tendu la main en souriant et il est monté dans ma voiture. Je croyais qu'il voulait demander pardon aux parents, dire qu'il regrette. T'es plus fort que lui. On ne peut pas. J'ai jamais eu l'intention de le tuer. Mais pourtant, vous l'avez fait. Comment ?
Il était assis sur le lit et il regardait la télévision. J'étais derrière lui, j'ai pris le foulard. Et puis ? Mais je sais pas, je sais pas ! Un agriculteur, un employé et deux commerçants. Ce sont eux qui tiennent la vie, qui tiennent, oui, ENT, la vie de Patrick Henry entre leurs mains. Mon frère était gentil avec tout le monde. Patrick n'a jamais fait de mal à personne. Il aimait les enfants. Il aimait aussi l'argent. Vous l'aimez, votre frère ? Mais il était si bon avec nous. Mais alors dites-le que vous l'aimez, votre frère. Dites-le. Mais oui, je l'aime, mon frère. Je l'aime. Maman. Bien, vous les avez émus. Un martyr. Nous vivions un martyr. Mon petit-fils était tout pour nous. Et lui, au téléphone, il était froid comme une vipère. On sentait qu'il avait tout son temps. Parce que l'enfant était mort. Le président de la Ligue des droits de l'homme que j'avais fait citer ne pourra pas se présenter à l'audience. Un empêchement est prévu. Pourquoi le président de la Ligue des droits de l'homme ? J'aurai une lettre de lui demain, exprimant l'opposition de la Ligue à la peine de mort. J'aimerais la lire devant la cour. C'est hors de question. C'est totalement au sujet. Le président de la République a refusé la grâce de Ranucci. Il refusera aussi celle de Patrick Henry. Oui, je sais. Pourquoi je veux mettre les jurés face à leurs responsabilités. Face à eux-mêmes devant la mort de Patrick Henry. Je vais faire de ce procès le procès de la peine de mort. Excusez-moi. Vous me reconnaissez ? Je suis la jurée que vous avez récusée. Je peux vous demander pourquoi ? Ah, je suis désolé, madame. Ce n'était absolument pas dirigé contre vous. Simplement, vous êtes directrice d'école et l'enlèvement a eu lieu devant une école. Ah, c'est ça. Je comprends. Je voulais seulement vous dire que j'appartiens à la Ligue des droits de l'homme et que je suis une abolitionniste convaincue. Et ça, bien sûr, vous ne pouviez pas le savoir. Non. Je ne pouvais pas. C'est vraiment dommage. Bon appétit. Merci. Attendez, j'avais besoin de toi. C'est moi qui ai accompagné Claude Buffet et Roger Bontemps dans leur marche à la guillotine.